Bonjour à tous, merci de nous suivre. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, le président de la CEI annonce la fin de l'opération de publication des résultats provisoires des législatives 2021. La commission aura durant 3 jours égrené les résultats des 204 circonscriptions électorales en direct de nos antennes. Cette étape achevée suivra celle du contentieux électoral qui est à la charge du Conseil constitutionnel. Je vous propose de revenir sur la déclaration du président de la CEI à ce propos. Elle est recueilli par Sidonie Davila. La commission électorale indépendante CEI a eu 3 jours pour égrener tous les résultats du scrutin. Ce sont au total 204 circonscriptions concernées. Le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly-Cuibière, livre le verdict final. Le recensement général des votes donne les résultats suivants. Inscrits 7 359 399. Votants 2 788 022. Bulletins nuls 82 184. Bulletins blancs 34 083. Suffrages exprimés 2 705 838. Taux de participation, 37,88%. Les résultats provisoires rendus placent à une autre étape de ce processus aussi importante, celle du contentieux. Les réclamations sont adressées au Conseil constitutionnel, rappelle le président de la CEI. Le droit de contester l'élection à l'Assemblée nationale appartient, dans une circonscription électorale donnée, à tout candidat ou à toute liste de candidats de la dite circonscription, à tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans le délai de 5 jours à compter de la date de proclamation solennelle des résultats provisoires par le président de la commission électorale indépendante. Lors de la campagne électorale des législatives, la CEI a enregistré un décès parmi les candidats retenus. Si la loi prévoit le remplacement de ce dernier, elle prévoit aussi une autre élection dans la zone concernée. Il est sursis de plein droit à l'élection du député de la circonscription numéro 097, Hariko Kar, Nyakaramadougou et Tortilla, commune sous-préfecture. La commission électorale indépendante procédera à une nouvelle élection dans un délai de 1 mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue du scrutin. La CEI se réjouit du caractère apaisé de cette élection malgré quelques incidents qui, selon elle, n'entachent en rien la régularité du scrutin. Sur le même sujet des législatives, je vous propose ce communiqué du Conseil constitutionnel. Il porte sur le contentieux des élections des députés à l'Assemblée nationale. Le scrutin s'étant tenu le 6 mars dernier, le président du Conseil constitutionnel informe les candidats, les partis et les groupements politiques que pour le suivi du traitement de leurs requêtes, ils pourront consulter le rôle des audiences au tableau d'affichage situé à l'entrée du siège de l'institution, sise à Abidjan. Jean Plateau, 22 boulevard Card et sur son site internet www.conseil-constitutionnel.ci. L'actualité au Sénégal, le mouvement pour la défense et la démocratie a lancé hier un nouvel appel à la mobilisation pour un rassemblement, cette fois pacifique. Ce sera pour le samedi 13 mars 2021. La coalition créée la semaine dernière regroupe des partis politiques d'opposition et des mouvements de la société civile. Le M2D avait suspendu les manifestations prévues hier mardi et ce mercredi après plusieurs jours de manifestations et de violences qui ont fait au moins 5 morts selon le bilan officiel. Et 11 selon l'opposition sénégalaise. Une journée de deuil en hommage à ces victimes est annoncée pour ce vendredi, rappelant que le mouvement dénonce des arrestations de ceux qu'il qualifie de prisonniers politiques et demande leur libération immédiate et sans condition.
L'actualité en Allemagne, la CDU de Angela Merkel est en pleine perte de vitesse. L'affaire des masques qui a éclaté fin février continue de faire couler beaucoup d'encre. De députés de la CDU sont accusés d'avoir touché des commissions sur des contrats d'achat de masques au début de l'épidémie de Covid-19. Ils ont tous les deux démissionné ce week-end, mais ce scandale politico-financier fragilise grandement le parti d'Angela Merkel. C'est d'ailleurs le premier scandale de ce type que connaît le pays depuis l'arrivée de la chancelière allemande. L'affaire a éclaté le 25 février dernier après des perquisitions faites en Bavière dans la permanence de l'un de ses députés conservateurs incriminés. Ils auraient servi d'intermédiaire entre des fabricants de masques et les autorités allemandes. Une enquête sur cette affaire a été ouverte. Aux États-Unis, le procès de l'ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, accusé d'avoir provoqué la mort de George Floyd en mai 2020, s'est finalement ouvert hier. Le processus de sélection du jury devait initialement débuter lundi, mais avait été reporté pour examiner la possibilité d'un nouveau chef d'accusation. Trois jurés ont été sélectionnés hier. Plusieurs jurés potentiels ont déclaré avoir vu les images de l'arrestation de George Floyd et certains ont reconnu avoir une mauvaise opinion de l'accusé. Le premier juré sélectionné a affirmé son désaccord face à la violence utilisée par la police de Minneapolis et faisait généralement usage d'une force contre les Afro-Américains. Le second promet de rester impartial et le troisième juré sélectionné a déclaré avoir entendu que George Floyd avait fait usage de drogues dures et qu'il avait été condamné par le passé, mais que cela n'affecterait pas son jugement. Toujours sur l'actualité américaine, les relations entre les États-Unis et la Chine pourraient s'améliorer. Les diplomates américains et chinois de haut rang pourraient bientôt se retrouver en Alaska, selon les informations de South Africa Morning Post, un journal de Hong Kong. Cette rencontre permettrait de briser la glace après les années de guerre commerciale sous l'ère Trump. Elle serait aussi le signe de la priorité accordée par la Chine au réchauffement des relations avec les États-Unis. Notons aussi qu'il y a quelques semaines, le président chinois affirmait que le monde ne pouvait pas se permettre un conflit entre les deux premières puissances mondiales, une situation qui conduirait au désastre. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h pour l'actualité de la mi-journée. Bonne suite des programmes sur RTI 1.